Salut tout le monde. Je parle d'un côté parce que j'ai été chez le dentiste comme convenu. Hein. Je parle d'un côté. Donc, allez, on va changer de place. D'accord. Salut, salut, je viens vous donner de mes nouvelles, les nouvelles du président. Le président était chez le dentiste. Le président a extrait sa dent malade. Et, maman, Seigneur, oh, je souffre le martyr. Sidoine? Allô? Enfin, je suis en direct. Bonjour, Marc Larousse. Je me connecte, je donne de mes nouvelles. Hein. J'étais chez le dentiste. Et me voilà. Mais ça a été trop dur. Putain. Voilà. Bonjour, la Marc Rose. Bonjour, tout le monde. Pastor. Est-ce que Pastor est sur la place? J'ai pas eu le temps de voir le vlog de Pasto ce matin. Pasto, j'ai vu qu'on m'a tagué hier dans ton direct, mais j'étais déjà endormi. J'avais un retard de sommeil, j'avais une carence de sommeil que j'ai récupéré aujourd'hui parce que j'avais besoin, que j'ai récupéré cette nuit, quoi. J'avais besoin, justement, d'être en forme ce matin. En fait, je parle d'un côté, hein. Merci pour les cœurs. Envoyez les cœurs au nouveau président. Vive le nouveau président. Je n'ai pas gonflé les lèvres, mais j'ai l'impression que on a fait le botox, que j'ai fait le botox sur les lèvres. Mais c'est l'effet de l'anesthésie qui fait ça. Waouh! Une dent enlevée, c'est comme ça. Et voici la taille d'une dent. Comme ça. Et puis, pardon, c'était pourri. Donc voilà, je suis bien. Et j'espère vraiment avoir la paix. Parce que j'ai vraiment souffert à cause de ça. Regardez comment je parle d'un côté. Ah Seigneur, ma tête penche d'un côté comme ça. Salut la tigresse officielle. Comment vas-tu, ma tigre? Ou encore ma tigresse? Oui. Peut-être tigresse ou tigre. Mais ce qui est nouveau, c'est que maintenant, quand on extrait une dent, on fait une structure comme ça. C'est nouveau. Ça veut dire que le trou, on racole le trou comme un trou percé, quoi. Vous voyez? Ah là là, donc du coup, on ne sent plus le trou béant, là. Vous voyez? C'est chouette, hein? Je me souviens, la dernière dent que j'ai enlevée, il y a plus de 20 ans. Et à l'époque, on ne mettait pas encore, on ne faisait pas ça systématiquement des structures autour de la dent. La présidence, oh, ah. J'entends les gens faire gnoc, 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 gnoc. Les ténébreux disent que. Vous ne pouvez pas défaire quelque chose que Flore a fait. C'est Flore qui m'a nommé président. Flore a approuvé ma présidence. Lolo a approuvé ma présidence. Donc, tous ces jaloux qui viennent vociférer la haine, là. Allez loin avec ça. D'accord? Voilà. Donc, non, mais chez Monsieur Saumon. Bon, ah oui, j'aurais dû me connecter sur l'autre page. Bertrand chez Saumon. Parce qu'ici, il n'y a pas de publicité. Hein. Bonjour, la tigresse. Ici, il n'y a pas de publicité. Donc, du coup, j'aurais voulu aller parler. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je suis en pour parler avec la Lyon, tout ça, oui, oui. Allez voter la Lyon, hein. Option, non. Rubrique création de meilleurs contenus, je crois, non. Elle m'a envoyé les détails.
Non, mais le marrant, ce qui est marrant, c'est que je dois fumer d'un côté. Bon, et là, on va parler un peu, hein. Je voulais qu'on parle un peu de notre projet. Notre projet, on est encore en phase de pour parler. On va parler davantage. Et ça va être notre chemin de bataille prochainement. D'accord? Et pour ceux qui disent que bah, c'est juste pour, franchir le pas de ce qu'on aurait dû faire avant. Quand je dis pas, ce qu'on aurait dû faire, des autorités. D'accord? Donc, je suis celui-là. Et d'ailleurs, j'ai l'âge qu'il faut. Hein. Je suis un peu âgé aussi. J'ai 50 ans. Je suis stable. Je peux voyager dignement dans le monde entier. Je peux voyager dans tout le monde entier. Je crois que quand je dis tout le monde entier, c'est tout le monde entier. Donc, je peux représenter tout le monde où que ce soit. Donc, c'est déjà un privilège aussi. Hein. Voilà. Et parlant de ça, je tenais aussi à m'intéresser aussi aux événements. Par exemple, les événements que des groupes organisent, des groupes ethniques. Bon, pour autant qu'on accepte, hein, est-ce que par exemple, moi, je peux... Michel, Noah, qu'est-ce que tu racontes? Berk, c'est pour qui? Tu parles de Berk? À qui? À moi? T'as vu mon col levé? Tu veux voir mes pattes d'éléphant? Ah, Seigneur. Salut les quotas du Japap. Comment vas-tu? Ma quota. J'étais chez le dentiste. Hein. Donc pendant quelques heures, je vais parler d'un côté. Je ne sens pas ce côté de la dent. Donc je. Même fumer une cigarette, je dois fumer de ce côté. Noah, je sais que toi, tu m'insultes tout le temps. Et je ne sais pas pourquoi. Et je ne te réponds jamais. D'accord? Je ne vois pas pourquoi à chaque fois tu te gares en direct pour vociférer ton beurre là. D'accord? Je suis un beau mec, que tu veux ou non. Et même stylé. Tu veux voir mon look de ce matin? Tu veux que je te montre mon outfit? Tu veux voir? J'ai failli me croquer la langue. Parce qu'en fait, je ne sens pas ce côté. J'ai mal, putain. Pas que j'ai mal, mais ça fait un genre là. Je voulais juste faire un petit contenu ici parce que. Donc, j'étais en train de dire que notre petit projet est en train de prendre forme et ça va continuer comme ça. D'accord? Comme ce matin, je disais sur l'autre page à Dandilo Black, on est en train de rédiger la charte. Moi aussi, je suis déjà occupé à rédiger une charte. Vous voyez un peu. Et rédiger une charte, ça prend le temps. Il faut bien réfléchir et bien écrire la charte. Je ne dis pas que je suis quelqu'un très fort ou encore très doué. Peut-être faut laisser la place à ceux qui sont. Moi, je suis qu'un ouvrier. Hein. Donc, il faut laisser la place, bon, la rédaction de cette charte aux personnes aussi. Enfin, allez, il faut inclure des vrais juristes de la toile dans la rédaction de ce genre de charte. Par exemple, je voudrais inviter Orisha, par exemple, à nous apporter une version juridique, par exemple, d'une charte qu'on peut faire adopter ou encore faire signer par tous les blogueurs, parce que il faut avant tout que c'est un sens. Vous voyez? C'est pas qu'on va faire une charte d'interdiction ou c'est juste une charte qui rappelle à chacun ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Donc, les quotas du Japon, je ne sais pas si tu es juriste aussi, parce que enfin, ma femme dit que tu es vendeuse de supermarché. Bon, c'est pas grave. La rose veut monter, la vice-présidente. Bon, je vous entretiens. Bertrand, je suis avec vous pour un moment parce que je suis à la maison toute la journée et vous aurez le Coucou premier à Bertrand. m'avoir en direct. Bonjour, ma rose. Bonjour. Jamais, Orisha, jamais. Orisha est de l'opposition. Elle écrit que chaque, que dans notre parti au pouvoir, manque les juristes. T'entends pas, ma chérie.
Je t'ai entendu dire que... Là, tu m'entends là? Oui, Là, c'est tu m'entends? confus déjà, mais ça va. Là, tu m'entends? Oui, ça, vas-y, oui. Voilà, je disais que... Je t'ai entendu dire que Orisha, tu as besoin d'Orisha pour écrire la charte. Par Non. exemple, Non, non, non. ton idée, Orisha est de l'opposition. attends, Maro, pas pour écrire ton idée, parce qu'elle est juriste, soi-disant, mais Elle est-ce est que de c'est une façon de l'opposition. parler? Bertrand, écoute-moi. Elle est Oui, de c'est ça. l'opposition. Tu n'as pas besoin des membres de l'opposition pour faire ta charte. Dans notre parti au pouvoir, il y a plein de juristes là. Naïf Anita est connectée dans ton direct là. Naïf Anita est juriste. Oui, voilà. C'est une façon de Naïf Anita parler, est Maro. juriste. Voilà. Orisha a écrit la charte de ces Non, je n'ai gens-là. pas écrit une idée de charte, parce qu'elle a une Oui, charte de charte, elle elle m'a a donné écrit. son idée là-bas chez eux. Là-bas, où elle est là-bas. D'accord, Maro. En fait, je citais un exemple. Ce n'était pas formel. Et Oui. c'est bien que tu le dises, puisque bon, Oui. c'était Je n'ai juste une rien question. contre elle, mais elle est de l'opposition. Et nous, on ne fricote pas avec l'opposition. Voilà, parce que je vais. D'accord, oui, d'accord, je sais, c'était Voilà, juste un je vais ensemble. exemple. Hein. J'y vais. D'accord, oui, Hein. ok. Voilà. Il y a Naïf Nice, Anita. Naïf Anita qui est là. Naïf Anita. Qui est là? d'accord. Nice, Anita, elle est là. Bon, Ouais, elle est juste elle la est fiche de juriste. panel. Naïf Anita est juriste. Elle peut apporter ses idées. Et il y a beaucoup d'autres encore. Hein, dont je pense. Voilà. Donc, D'accord. Marose, Oui. dis-moi, la liste des blogueurs. Il Oui. faudrait avoir combien de followers pour avoir une carte, pour être considéré comme blogueur? Pour être considéré comme un blogueur, pour moi, à partir de... Si tu as 3 000 abonnés, si tu as 3 000 personnes qui te suivent. Est-ce qu'il faut une contrainte, par exemple, faire minimum 3 directs par semaine ou... Non, 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 non. On peut pas faire... On peut pas donner une contrainte aux gens. Tu comprends? Les gens, quelqu'un gère sa page, chacun gère sa page comme il entend. Sauf que il y a des respects, il y a des choses à respecter, pas d'insultes, une page qui est constructive, quoi. Il faut, là, peut-être, par exemple, ce qu'on pouvait demander, au moins savoir un concept. On doit savoir pourquoi est-ce que tu es là. Donc, si tu dois te présenter comme blogueur, pourquoi tu blogues? C'est quoi Ton concept. ton concept? Tu es sur les réseaux sociaux, pourquoi? En tant que blogueur. Voilà. Ça, oui, il faut avoir un concept. Voilà. Mais pas de contrainte de faire des Non, lives. non, non, pas de contrat de live. Et moi, je dirais même que même pour avoir une carte de blogueur, à partir du moment où tu as une page, il ne faut même pas regarder le nombre d'abonnés. À partir du moment où tu as une page, tu crées une page. Parce qu'il y en a qui vont créer des pages nouvellement. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui veulent. Faire le blog. Voilà. À partir du moment où tu as une page et que tu veux faire du blog, qu'il y a les gens qui vont peut-être créer nouvellement les pages. Ils veulent commencer. Là, 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 on va pas les refuser. S'ils ont envie d'adhérer, on va pas leur dire que non, vous n'adhérez pas parce que vous n'avez pas d'abonnés. Non. Parce que les abonnés viennent au fur et à mesure. Moi, je dis à partir du moment où tu as une page et que tu as un concept, même si tu as 10 abonnés, tu peux adhérer au truc des blogueurs. D'accord. Oui. OK. Et oui, c'est très bien comme ça. Mais par contre, est-ce qu'il faut qu'on mette un peu sur pied, par exemple, sur place, un créneau, par exemple, qu'on va se partager, par exemple, ne pas être en direct en même temps. Je dis, toi, tu es en direct, c'est pas la peine que moi, je sois en direct aussi. Ça, c'est un Bon. truc que, ouais, Bertrand, on ne peut pas mettre ça comme un créneau. Parce que, n'oublie pas que beaucoup aussi sont commerciaux, beaucoup font aussi dans du commerce. Ça, c'est un truc, par exemple, comment je peux dire, c'est quelqu'un même qui peut voir ça. Je peux dire que, par exemple, si je veux venir peut-être faire un direct pour de Japap ou bien des trucs de l'actualité, tu comprends? Et que j'aimerais que les gens se connectent pour venir me suivre. C'est à moi de voir que, ah, Bertrand est en direct. Je repousse mon direct, je viens dans ton direct. Par exemple, je dis, Bertrand, tu es en direct, quand tu finis, je lance. Maintenant, c'est à toi à comprendre que oui, la rose va lancer. Donc, il faut que je fasse minimum mon direct. Ça doit durer peut-être 1 heure ou 2 heures pour que je donne aussi l'espace à la rose d'aller faire son direct après. Tu comprends? Mais si je dois faire, par exemple, mon direct pour parler de mes trucs,
J'ai pas besoin de ça pour parler de mon commerce, pour parler de, pour faire ma publicité. J'ai pas La besoin vérité, c'est que quand tu es en direct, il y a beaucoup de monde. En fait, c'est ça l'idée. Hein. de... C'est pas... Voilà. L'idée, c'est que quand tu es en direct, il y a beaucoup de monde. Il y Oui. a ça. En fait, le créneau ne veut pas dire que tu ne te connectes pas un jour ou que tu restes en retrait. C'est juste des heures. Par exemple, je ne sais pas moi, de toute façon, même de l'eufolia, par moment, Oui, consulter Jean-Louis mais Lefort moi, je pour pense que non, savoir. il faut pas donner ce créneau aux gens, parce que ce sera comme si on les dirigeait, en fait. C'est la personne, tu vois. Par exemple, si moi, je suis en direct, et je suis peut-être en direct, il y a peut-être 1 heure ou 2 heures. On me dit que Bertrand, qui fait partie de ce qu'on Du a mis, nous gouvernement. avons mis en place, et vient de lancer un direct. Moi qui suis en direct depuis, c'est à moi de voir que non, il faut que moi je sois quand même en direct depuis, il faut que je libère les gens qui arrivent ici chez Bertrand. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Mais mettre un créneau, c'est comme si c'est dire aux gens comment ils doivent gérer les pages. Moi, je ne trouve pas que ça, non. Non, je ne suis pas d'accord avec le créneau, en fait. Je suis pas d'accord D'accord. avec le créneau. Oui, parce qu'on parle du principe qu'on a les mêmes followers. Donc, Je suis pas d'accord avec le créneau, en fait. ok, ton point de vue, tu n'es pas d'accord avec. Bon, et Maros, donc si j'ai bien Oui. compris, il faut pas forcément avoir un nombre fixe de followers pour prétendre à une carte de blogueur, c'est bien ça? Il suffit de créer une page. Oui. Moi, je ne pense pas qu'on doit imposer à quelqu'un un nombre de followers pour avoir une carte de blogueur. Non. À partir du moment où quelqu'un a créé sa page, tu es blogueur et que la personne veut faire partie. Parce que ce n'est pas non plus tout le monde qui voudra faire partie de ce que nous voulons mettre en place. Hein. Il y a les blogueurs qui ne voudront pas adhérer. Mais celui qui vient de créer sa page et qu'il va adhérer, on ne va pas lui dire que non, comme tu n'as pas 10 000 followers, ou bien tu n'as pas 2 000, tu n'as pas 1 000 followers. À partir du moment où il a une page, moi, il pense qu'il peut adhérer. Voilà. Voilà. Didier Jim vient de donner une idée. Au lieu de mettre un chrono, il faut juste encourager les gens à partager. Oui. Je peux être dans ton direct et être dans le direct de quelqu'un, mais partager. Il y a les gens qui font. Qui suivent 50 000 directs à la fois. Ouais. Je veux voir quelque chose. Ouais, t'as raison, ma rose, hein. T'as raison, hein. D'accord. La vice-présidente est au boulot. Le vrai travail. Nous sommes la team des travailleurs. Hein. Vous savez que nous, on travaille. Regardez l'exemple. Le travail paye. Comme vous voyez, par exemple, ma vice-présidente, elle est en plein boulot. Et voilà, elle assume son poste. Elle assume son travail de technicien de surface. Qui ça? Ah. Mais j'ai dit, toi, ma vice-présidente, tu assumes ton travail de technicien de Maman, elle surface. assume ça. Si elle assume pas, elle compte sur quoi? C'est quelqu'un qui va payer mes factures. Elle Voilà. Donc le travail compte sur quoi paye. payer mes factures. Donc les gens sont dans le mur là. Vous voyez, Ah lui, il oui, travaille, lui. bonjour. Bête, D'accord. je Bon, ma chérie, recommande. merci. Oui. À tout à l'heure. À tout Oui. à l'heure. Voilà. Donc c'était la vice-présidente. Mais les questions dont j'abordais tantôt, on va. Non, des listes d'Afrique, comment ça? Ouais, du Camer, c'est toi du Camer. Tu me dis de framponner du Camer. Bon, le framponner, c'est plus nécessaire. La vice-présidente ne veut plus qu'on framponne du Camer. On l'a destitué, c'est déjà bien. Donc après, le framponner ne servira à rien. Mais, D'Angelo Black, oui, tu t'arrêtes D'Angelo Black, mon ami. D'Angelo Black, mon ami. Mon cop. D'Angelo Black est l'ami du nouveau président. Rohan, l'ami du nouveau président. D'Angelo Black et Brice. Ok, j'arrive même pas à fumer une cigarette à cause de la synesthésie. Légion légionnaire.
Le pasteur est ou non? Le pasteur supérieur. Bon, il faut arrêter de dire oui tout le temps à la vice-présidente. Oui, là, la vice-présidente donne son point de vue. Bon, elle dit, par exemple, qu'il ne faut pas avoir un nombre de followers pour être pour prétendant. Ma Rose, ma vice-présidente, je crois que c'est important. Bon, si on, toi qui suis le blog ivoirien, chez les Ivoiriens, la base, c'est 20 000 followers. Pour 24. 20 000 followers. Si on ne limite pas, ça veut dire que chacun pourrait créer sa page et dire qu'il est blogueur. Non. Justement, ceux qui sont. Le blog va rester ainsi. C'est-à-dire, ceux qui se montrent vont être considérés comme blogueurs. Mais ceux qui sont dans le noir vont être considérés comme les généraux, hein, par exemple. Voilà, c'est clair. Puisque, bon, pour avoir une carte, il faut qu'il y ait ta photo sur la carte. Il faut qu'il y ait ta photo sur une carte de blogueur, par exemple. Et aussi, ça permet d'orienter les nouveaux followers. Parce qu'on ne sait vraiment pas qui est blogueur camerounais. C'est vrai que je ne veux pas dire qu'on peut se lever du jour au lendemain, on commence à faire le blog. Non, hein. Ne vous méprenez pas. Hein. Tous ceux qui viennent vous parler, là, ils ont quelque chose en eux. Tout le monde. Salut Christian JP. Tu vas bien Christian? Hein? Tu vas bien? Sais que c'est voilà encore le remède du Ducanel. Christian JP, c'est le remède. Voilà le remède du Ducanel. Son médicament, il est là, Christian JP. Le Parisien, avec cet accent de Paris, très agréable à l'oreille. Oui, j'ai appris qu'il est en route pour venir me taper. Oui, je l'attends. Waouh, je l'attends. Il est en route, ma rose. Il est en route, hein. Ah ben oui, qu'il vienne. Oh, il va. Je vais le recevoir, hein. Ah, les gars. Ben, depuis tout ce temps, depuis qu'il est parti, il devrait être déjà là. Il devrait être déjà là, hein. Bah oui, il devrait être déjà là. Mais il est où? Mais il est parti en Belgique. Il est en route pour venir me taper, il a dit. Voilà. Là. Qu'il vienne. Ben, je suis là, je suis en plein lui. Hein. Il connaît ma rue, il a tous les détails. Puisqu'il m'a envoyé un colis. Et voilà. Et je vais t'accueillir avec mes orteils sur la joue. Je suis en mode Shaolin. Hein. Ouais, quand il dit mode Shaolin, ça veut dire que j'ai porté les pantalons de karaté là. Donc, du Camilo. Salut, Christian. C'est ma, c'est mes, ça veut mes orteils, hein? Ça veut mes orteils là. Ça veut mes orteils que je vais te gifler. Ouais, c'est pour une petite détente, hein. Faut pas prendre tout au sérieux. Bon, donc pour bientôt, hein, il faut aller mollo mollo, hein. Hein, je dois profiter de mon discours. On va d'abord parler. Ah, je l'attends qu'il vienne. Peut-être qu'il vient me parler. Hein, comme il vient me dire, Bertrand, tu me veux quoi? Peut-être qu'il vient faire l'amitié, qui sait? Peut-être qu'il va venir se tourner chez moi, dire que c'est du canard. Et dit, Bertrand, dis-moi ce que tu me veux. Et je vais lui dire, Po, je te veux ça. Et cette fois-ci, avec les orteils. Donc, il va sentir mes orteils. Voilà. Pas honte. Hein? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a un match, Tatiana Mimban? Je suis le nouveau président. Et le nouveau président ne digère pas l'affront. Hein? Donc, il faut bien qu'il sache que moi, je peux taper dur. Ah oui, on me dit de laisser la présidence à la Rose. Ben non, comment? C'est moi le président, la Rose est vice-présidente. Pardon, si tu es rosé, bon, oui, bon, la Rose peut prétendre la présidence. Plus tard, mais pour l'instant, c'est moi et la rose est d'accord. Pourquoi tu me donnais de laisser la présidence à la rose?
La Rose est déjà vice-présidente, hein, et elle prendra les décisions. Vous avez vu comment elle commande, non? Donc, c'est déjà, elle a déjà son rôle. Partagez, s'il vous plaît. Bon, et de toute façon, si du Camès sonne déjà chez moi, déjà d'est, la façon qu'il va s'affoler, il suffit que je le joue seulement comme ça. Il va, maman, il va l'accueillir comme ça. Lui, il ne fait rien, hein, Dexter. À lui, il n'attaque pas. Hein. Il va faire jouer avec toi. C'est ta tête, il met sur toi comme ça. Il t'immobilise, en fait. Sans jamais te blesser, mais il joue avec toi comme une souris joue avec. C'est marrant, hein, de voir comment il fait avec les hommes. Ça dit, je suis un policier. Ça dit, il est son instinct. Il a un instinct protecteur, en fait. Donc, ça veut dire que quand il a affaire aux hommes, il sait qu'il ne va pas blesser ces hommes-là qu'il pourchasse. Parfois, donc il sait qu'il va juste les maîtriser. Voilà. Et Dexter a la particularité. Bon, je l'attends, hein, les pieds fermes. Hein, du Camino. Des côtés du Japap. Hein, je l'attends ici. Bon, du Camino, raconte quoi même? Allons un peu voir. Je sais que. On est sur ma page, hein, la page présidentielle, on va créer. Bon. Du Camindo, du Cagnère, tu dis que Anango est ceci, c'est là. Anango est comme toi, hein? Anango est comme toi. D'ailleurs, tu es pire qu'Anango, hein? Maintenant, il vient vendre son piment en Belgique. Hein? Tu vas à la gare du Nord, tu viens lui offrir les blanches. Hein? Sans doute, c'est pour ça, hein? Je ne sais pas. Que Anango fait ceci, Anango fait cela, tu es comme Anango. Quelle est la différence entre toi et Anango? Il n'y a pas de différence. Tu fais exactement la même chose qu'Anango. Bon, profitons-en, je suis à la maison. Hein. Bon, vous savez que je ne suis pas toujours en direct. Non, si vous voulez qu'on reste en direct, partagez, que je sois motivé. Sinon. Allez, toi et moi, on va se comparer sur quelle base? Tu n'as jamais touché l'argent que j'ai touché. Tu n'es sur aucun projet sur lequel je suis. Tu as compris? La maison dans laquelle tu dors, c'est une pourriture comparée à là où je vis. Voilà. Et en plus de ça, il faut donner l'argent à tes enfants. Un père indigne, une raclure. Je vais bien commencer à te laver, toi. La saleté que tu es là, les dents pourries que tu es là. Un pourri que tu es là. Regardez. Un type qui fait 20 ans, idiot, incapable de se louer un bon appartement. Tu as venu me parler. Tu sais dans quel genre de maison quand j'ai eu la vie de ta maison. Saleté, c'est comme ça là. Et tous les gens qui te suivent, des saletés avec pourriture. Voilà. Donc j'ai dit aux gens, venez pour me prononcer ces gens-là. Celui qui est en Belgique, là, déjà, c'est un cadavre. Tu vois, le mec, il est là, il n'a plus de vie, il a peine, il respire. Il a fatigué. Mais il est là en train d'insulter les gens. Putain, il fait. Qu'à tout moment, il peut mourir sorcier comme ça là. Tu es incapable tellement, il a peur des gens. Va au milieu des Camerounais. Pourquoi tu restes sur toi? Ben, je sais les présidents. Tu peux être président devant du Cameroun par rapport à quoi? Tu parles anglais. Tu peux t'exprimer en anglais. Tu es bilingue. Tu es bilingue pour la bête. Par exemple, tu viens avec un homme. Mais tu n'es pas bilingue pour les langues. Ça, c'est comme ça là. Tu as pris les tas de dettes, tu l'as asphyxié comme ça, là, tu n'arrives pas à vivre. C'est pourquoi tu as autant de haine. Eric a vraiment, je vous dis, ne me ramenez pas dans les gars là, parce que les gars là, peut-être qu'ils ne parlent pas, parce qu'ils pensent que t'es bien comme ça là-dedans, ils pensent peut-être que je ne parle pas de parce que je suis fait. C'est mes mères, vous êtes insultés, ils vous foutent, ça va être le groupage, bande de tribalistes, toute la bande de vêtements. C'est des gens qui m'attaquent parce que je ne suis pas américain. La bande là. Je vous emmerde, je vous pique chacun de vous sur le crâne. Bande d'idiots, je n'ai rien à foutre avec ça. Moi, je ne suis pas dans le tribalisme sur Internet. J'aime tous les Camerounais.
et j'ai défendu tous les Camerounais. Mais votre petite bande de tribalistes qu'il y a sur la toile, là, je vous pique dessus avec. Voilà. Non, vu ignorer Emma et Belé, un temps, prendre sur soi, ça fait très mal. Parce qu'eux, ils n'arrêtent pas à les connerrer. Là. Moi, je suis très, très, je suis un putain d'insulteur. Voilà. C'est les gens qui viennent à mes directs, mais j'ai même bloqué énormément de personnes qui n'ont rien dans les égards. On a trois. Après, dans le blog, il n'y a pas que ça. Mais à un moment, quand les gens se permettent de venir te t'insulter, ils pensent que tu n'as pas la. J'ai la sale gueule. Je suis médident. Ouais. Il marche, il est comme un cadavre. Tu as la chance que tu ne vas pas rencontrer. C'est même quelle femme te rencontre dans de petits tribalistes de Facebook. Vous ramenez l'histoire là même en France. Vous mettez ensemble pour attaquer un gars parce qu'il n'est pas bambiné. Qu'est-ce que vous faites? On vous a dit que je suis perdu. Non. On ne t'attaque pas parce que tu n'es pas bambiné. On t'attaque parce que tu es méchant. On t'attaque parce que tu as signalé la page de l'école chrétienne. Une fille qui ne travaille pas, qui vit des réseaux. Tu as signalé sa page alors qu'elle s'adressait par toi. L'école chrétienne s'attaquait à Fleur de Lille. Tu as fait croire que tu signalais sa page pour faire plaisir à Fleur de Lille. Quelques temps après, c'est Fleur que tu as insulté. Tu croyais vraiment que tu devais laisser la reine Mère Bio venir traiter Fleur de Lys sur ta page comme elle a fait. La Fleur devait te pardonner, ou encore Fleur devait accepter ça, ou les abeilles devaient accepter ça. C'était glaçant. Et tu dis à la reine Mère Bio que Babalé, excusez-moi Nathalie, d'ailleurs tu la tutoyais. Regarde, tu es même mal, tu n'as même pas de respect. Tu tutoies une femme comme ça alors que vous ne vous connaissez pas. Tu dis Nathalie, excusez-moi, je t'ai insulté parce que vous faites plaisir à Fleur. Alors que Fleur t'a envoyé insulter Nathalie Babalé. Et tout récemment, tu as aussi dit que tu as insulté Fleur pour faire plaisir à Loulou ou à Fleur de Lille. Et on se souvient tous que quand tu as commencé à insulter Fleur, Loulou Compressor, Fleur était encore la co de ta nouvelle patronne. Et elle t'a dit d'arrêter d'insulter Compressor. Mais tu n'as fait qu'à ta tête. Tu n'as fait donc, ça veut dire que tu as commencé à insulter Compressor le 12 décembre 2023. Et tu as arrêté il y a un mois. Donc, ne fais pas comme si... voilà, donc, on te déteste parce que tu es comme ça, tu es méchant. Donc, quand tu signes la page de Nicole Ketcha, elle vit de ça. Mais tu signes sa page. Et tu es fier, tu viens t'exhiber. Oui, j'ai signalé. Oh, j'ai signalé. Et voilà. Tu te mets une balle dans le pied quand, dès lors. Et par la suite, tu as signalé ma page aussi. Tu m'as fait des coups bas. Tu as escroqué ensemble. Ensemble, tu as donné l'argent pour Basto. Tu as chopé. Melissa Pearl a commandé des produits, des vêtements pour faire plaisir pour tes amis, tes acolytes de l'époque. Tu n'as pas livré. Donc, tout est dû. Tu crois qu'on va tout te donner. Non, tu n'es pas. Allez, mon Dieu, allez. Je sais que tu as le top. Que tu rencontres Thomas souvent. Mais bon, dans cette avance-là, quand tu réclames l'argent des personnes qui ne te doivent rien, là, tu as fait quoi avec eux? Donc, le fait que tu sois bamiléqué ou pas n'a rien à voir. Quand tu dis que je suis tribaliste, tu mens. Je suis tout sauf tribaliste. Même dans mon comportement, je suis cosmopolitain. D'ailleurs, tu as dit pourquoi je ne vais pas chez les Blacks. Parce que si je me sens renfermé, je veux un lieu où il y a tout le monde. J'aime quand il y a un peu de Jamaïcain, un peu de Portugais, un peu de tout le monde. Voilà. Je me sens bien dans ces milieux-là. D'ailleurs, c'est pourquoi je suis à Bruxelles. Parce que Bruxelles est une ville cosmopolite. 154 nationalités dans une petite ville comme Bruxelles. Tu comprends un peu. Donc, je peux te dire que toi, on te déteste pour ça. Parce que tu as un mauvais fond, en fait. Quand tu es venu vers moi, ce n'était pas pour m'aider, c'était pour me suer et me plomber. J'avais compris ça. Mais je t'observais, en fait, comme un petit frère qui m'amusait beaucoup. Parce que je sais que mon style de vie, mon niveau de vie dépasse le tien. Et je ne m'en vante pas pour bluffer comme vous faites souvent là. Non. Et je dis juste que c'est parce que je suis plus âgé que toi. Et c'est normal qu'à bientôt 50 ans. Alors, en passant, pour rectifier quelque chose, je dis chaque jour que j'ai 50 ans. En fait, je n'ai pas encore 50 ans. J'aurai 50 ans que le 12 septembre. Parce que mon extraction n'est pas remboursée parce que je n'ai pas encore 50 ans. C'est juste une parenthèse. Voilà. Donc, le fait que je suis en avance par rapport à toi, c'est aussi parce que je suis ton aîné. Tu vois? Et c'est pas vanne. Tu crois vraiment qu'on montre c'est bien
Comme tu me dis d'avoir un F2 pour te montrer que je suis quelqu'un, tu veux que je filme ce qu'on a aussi en Argentine pour que tu comprennes dans la vie de Mercedes. Pourquoi vous aimez vous qu'on vous montre comme ça? Non, moi je ne fais pas ça. Je ne montre pas des choses de ma famille pour faire plaisir aux voyous comme toi. Tu vois, regarde-toi, tu n'hésites pas à parler de ma mère. Une femme que tu ne connais pas. Que ma mère, depuis que je suis parti du Cameroun, en septembre, je n'aurais pas envoyé l'argent. Et tu t'entends même parler. Hein? Est-ce que de ton vivant, tu as construit une maison à ta mère? Est-ce que du vivant de ta mère, tu as bâti une maison? Moi, j'ai construit une maison de 40 000 euros à ma mère. Et elle est là, cette maison-là où elle habite. Une maison modeste, certes, je l'ai bâtie. Avec le pas le fruit de mon travail. C'est pourquoi je suis béni. Hein. Bah oui, c'est pourquoi quand j'entreprends, tout ça marche parce que je suis béni. Ma mère me bénit en fait. Ma mère me bénit chaque jour quand elle se réveille. Donc, si tu ne veux pas toute la fourrure du monde, la paix pour le nom de ma mère. Et je t'enjoins. Donc, je te demande même, je t'en supplie d'ailleurs. Je dis, si tu ne veux pas toutes les, si tu veux pas que toutes les foudres du monde s'abattent sur ta tête. De potiron, hein, ta tête ovale, là. Ta tête qui me permettra de faire ma citrouille à Halloween ou encore à décorer mes fenêtres, déposer ma rémée, n'appelle plus son nom. D'accord? On te déteste pour ça. Tu t'incrustes dans les familles des gens que tu ne connais pas. Que compresseur, c'est ma copine, mais tu l'insultes. Flore, c'est ma soeur, tu l'insultes. Tu es fourbe. Fourbe, fourbe. Donc, n'appelle plus le nom de ma mère parce que tu ne la connais pas. Et je ne sais, je ne parle pas de ta mère. Je sais pas, je sais que ta mère n'existe plus. Mais je veux plus que tu prononces le nom de ma renée. Tu me parles de l'argent de poche. Je dis, j'ai construit une maison à ma mère. Bâti une maison à ma renée, seule, sans que mon frère m'a pas aidé. Ma soeur, elle a pu témoigner. Elle m'a pas aidé. Et ça, c'était avant les années 2015. Donc, il faut imaginer un peu. Donc, ça va bientôt faire 10 ans. Donc, comprends que toi, tu es un dernier. Et puis, tu es jaloux des gens. Hein? Maintenant, tu es en train d'insulter Anango. Hier, tu le valorisais. Maintenant, tu l'insultes. Alors qu'il fait la même chose que toi. Mais en quoi Anango est différent de toi? En quoi Anango est différent de toi? Vous êtes tous pareils. On est d'accord? Vous êtes tous pareils. C'est pourquoi moi, vous voyez bien que moi, je ne fais pas vos choses là. Je ne suis pas dans la haine viscérale. Non, non. J'inspire un bloc comme chez les Ivoiriens. Les guéguerres comme ça, mais au fond, l'amour. Mais vous êtes vraiment des haineux. Quand vous acharnez, par exemple, quand Anango s'acharne sur Marlène, bon, c'est vrai que Marlène aussi donne Mathias quand s'acharne sur elle. C'est elle le problème. D'accord? Bon, chacun est responsable de ce qui lui arrive. Juste la reconnaissance. C'est comme ça qu'ils ont fait sur Internet, aller même dans la réunion dans laquelle je suis. Jusqu'à ce que le fondateur m'appelle, je suis Ah bon? vice-président. Mais bien sûr, le tribalisme là, ils sont allés poursuivre ça même dans la réunion. Je suis dans une réunion avec tout le monde là-bas. On m'appelle un jour, il y a une réunion, dit que vraiment le poste de député, Partagez, j'ai plus le temps. partagez, s'il vous plaît. Une réunion dans laquelle je suis en paix. Ils sont allés se prendre à la réunion. Des sales types comme ça là. Moi, je ne réclame pas les titres, les machins, là, j'ai rien à foutre avec ça. Il ne faut pas m'amener ça. Voilà. Ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir gagner ma vie tranquillement. Et sur Internet, je gagne ma vie, je la rends sur Facebook. Je prends ça au sérieux. Donc, je n'ai même pas à parler des sales types comme vous, ça ne ramène rien. Bon, Et tu fais le live. il dit qu'il a l'argent sur Facebook. Même ça, tu es limité. Tu ne comprends même pas ce que veut dire des gains. Quand on dit que les réseaux sociaux rapportent, ce n'est pas les 1 000 euros que tu as montré l'autre jour. Hein. Il faut peut-être que Oshiga te montre ses gains. Les gains que tu as là, c'est les gains. Ça, même la veuve joyeuse n'a pas ses gains là. La veuve joyeuse a plus que ça. Les gains de la veuve joyeuse dépassent ce que tu as montré là. Donc, même si ça, tu as la traîne. Donc, tu ne comprends même pas comment fonctionnent ces gains-là. Et sachez que les Ivoiriens, quand on parle de gains, ce n'est pas 5 000 euros. C'est beaucoup d'argent. Tu ne sais même pas ce que tu dis. Là, tu as venu dire que tu gagnes 700 euros sur la toile. Blogueur depuis 1940. Blogueur avant Macosso.
blogueur avant les 600 étoiles, blogueur avant Aya Robert, blogueur avant Apoutou, blogueur avant Amek Amer, blogueur avant Mama. On peut passer la journée à citer tout ce monde-là qui t'ont croisé sur la toile. Regarde leur vie, comment ils vivent. Si tu étais pas à la traîne, c'est que ton blog t'aurait acheté un appartement à Paris. Pour un blogueur de ton acabit, en fait. Pour un blogueur qui est sur la toile depuis le moment, depuis ton moment à toi, depuis l'heure que toi tu es arrivé sur la toile. Donc, si tu ne vas pas aboutir d'aussi tôt parce que ça a trop duré. Et aussi, pendant la présidence, on va mettre l'accent sur le fait qu'il est interdit de signaler la page de quelqu'un. Il est interdit formellement de signaler le gagne-pain de quelqu'un. Même si vous n'aimez pas la personne, il est interdit de signaler. Bon, et sachez que la personne signale sa page elle-même. Vous voyez que bon, M. Saumon est en bonne santé maintenant, parce que je n'insulte personne. Vous voyez un peu. Mais la page de Bertrand Saumon, j'ai tellement clashé là-bas, si bien que cette page-là, elle est foutue. Des restrictions sur restrictions. Et d'autres restrictions tombent au fur et à mesure des crimes commis avant. Ça veut dire que Facebook, l'algorithme continue à vérifier les contenus et ajoute des restrictions, même pour des choses que j'avais fait il y a 2 ou 3 mois. Et que même les followers n'ont pas signalé. Donc, c'est pourquoi ce n'est même pas la peine de signaler. Donc, gardez à l'esprit qu'on ne doit jamais signaler la page de quelqu'un. On ne doit jamais le faire. Parce que c'est comme si on tuait la personne. Parce que la page de Facebook ou encore une page comme celle-ci n'est autre qu'une personne morale administrée par qui? Par moi. Donc, si on la tue, c'est comme si on me tuait moi. Vous voyez un peu, c'est ça le truc. Voilà. Donc, du camédo. On te déteste aussi parce que tu signales la page des gens. Tu es jaloux des gens. Tu envies la vie des gens. Tu es en train de te mettre dans la peau des gens. Tu es en train de demander en même temps. En même temps, tu dis que tu as. En fait, on ne te comprend plus, franchement. Pas des nuits à parler des gens. Aucun sujet. Et il fait la même chose. Aucun direct intéressant. Toute sa vie, c'est parler des gens. C'est se rater des commandes. Un père, un monsieur enfant, il a abandonné l'enfant qui a dit ça. L'enfant même a maudit ce... Tu dis qu'un père indigne. Alors que toi, les rumeurs disent que tu ne peux pas accueillir tes enfants tout seul. Si tu avais cette possibilité-là, tu l'aurais fait pour nous narguer. Je ne sais pas pourquoi tu ne fais pas des vlogs avec tes enfants chez toi, dans ta maison à Saint-Chandre. Ta maison à Saint-Chandre, tu nous as dit. Mais pourquoi, depuis que tu pavanes sur la toile avec la photo de tes enfants, on ne t'a jamais vu chez toi en train de les préparer, par exemple, du cornflakes le matin ou encore les céréales pour l'enfant? Ou encore ne serait-ce qu'un chocolat chaud comme ça? On ne t'a jamais vu. On te voit toujours en photo, en pleine nature, à croire qu'il y a toujours quelqu'un à côté. Et des photos postérieures, avec poster, hein, quand tu vas comme ça, par exemple, avec ton enfant, tu vois. Voilà. Donc, tu poses avec tes enfants. On voit que ce n'est pas des photos naturelles. Alors que les enfants, par exemple, c'est des photos naturelles, cliquent, par exemple, des petits clics sans trop réfléchir. Des instants volés, certes, précieux. Mais toi, on ne voit pas ça. Alors, ils sont où? As-tu le droit de les rencontrer? Peux-tu dormir avec eux comme tu as fait avec le petit Blackie? J'en sais rien. Pourquoi on ne voit pas tes enfants blancs d'abord avec toi? Et tu dis que Dékom Amougou est irresponsable. Alors que Dékom Amougou est un père de famille. D'ailleurs, il a un grand garçon d'ailleurs. Hein. On a entendu la voix une fois chez Dékom Amougou. Il parlait avec sa grand-mère. Et voilà, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais j'avais compris ce qu'il disait. Mais donc, je t'ai dit qu'en fait, c'est un homme qui a bien une vie de famille. Hein? Est-ce que toi, si on te pose la question, as-tu une vie de famille du Canet? Non. Tu n'as aucune vie de famille. Tu feins, tu te trompes à toi-même. C'est-à-dire, mais je ne comprends pas. Tu crois que tu n'as avec qui? Le premier métis de ma famille a 20 ans. Donc, toi qui es en train d'exhiber des enfants métis, je parle de ma nièce, la fille de mon grand frère. Elle a 20 ans. Tu comprends?
dont tu es en train de parler, de, sans compter sa sœur aussi, son frère. Donc, je parle des métis comme si c'était quelque chose. Bah, et ça continue. Tu comprends? Donc, ne crois pas que tu es toujours en train de vanter avec des choses inutiles. Voilà. Donc, tout ce qu'on te demande, c'est de peut-être faire direct à la maison avec tes enfants. Tu as une maison vaste. Jamais tu nous as montré la chambre de tes enfants. Tu vois comment tu es fou. Est-ce qu'on a vu la chambre de tes enfants où tu habites? Tu nous as montré ton espace. Ces jours-là, Osmaru, c'était dans ce direct-là. Il t'a dit, arrête ça, bro, arrête ça, bro. Voilà, le piège, c'est que tu n'as pas montré la chambre des enfants. Tu manques même là, franchement. As-tu la garde de ces enfants, oui ou non? Tu parles de pension alimentaire. Est-ce que ces enfants peuvent venir te voir dans ta grande maison vide? Oui, parce que c'est cinq chambres, tu as dit. D'accord? Mais jamais... Est-ce que vous avez vu le nom de l'enfant sur une porte? Est-ce que vous avez vu le nom de sa fille sur une porte? Avez-vous vu le nom de son garçon sur une porte? Non. Donc, le papa indigne, c'est toi. Le papa indigne. Oui, parce que tu n'as même pas un endroit pour recevoir. Tu as une maison, mais tu n'as pas de chambre. Tu n'as pas une chambre d'enfant. Normalement, ils devaient avoir leur chambre, que tu devais étouffer même à leur absence. Quand ils viennent à la maison, ils trouvent leur chambre comme s'ils habitaient là. C'est comme ça que tous les parents séparés font. Donc, le papa indigne, c'est qui? Toi ou des Komamogu? C'est toi, le papa indigne. D'accord? Écoute bien ce que tu dis. Et tu me maudis. Ton propre enfant t'a maudit. Si il ne peut même pas, qui va te taper quand il va te voir? Tu vas venir parler sur Internet parce que les femmes, les vieilles bordelles qui ont raté la vie sont en train de soigner les dépressions dans ce direct. Tu sais avec qui vous jouez vos bêtises là, mon frère. Ça me prend, vous lave même tout de malade. Parce que les vraies prostituées qui sont dans tes directs sont en train de t'encourager. Quand tu vas insulter, tu peux m'insulter. Espèce d'analphabète, tu peux m'insulter. Un vieux peut rater de même. Voilà quelqu'un que même 5 000 euros, il n'y a pas dans le compte, tu vas venir parler. 6 mois, zéro, il est sans emploi. Il dit qu'il est formé. Tu es formé, pourquoi tu trouves le travail? Pourquoi tu es toujours viré dans tes lieux de service? Petit connard. Hein? Voilà, donc continue de parler. Maintenant, là, même, je parle même qu'il faut que tu arrêtes la trêve là. Vous m'insultez, vous m'insultez. Propre. Et une sale femme qui vient se mêler de ça, je l'insulte et met dessus. Et ça va aller nulle part. Bon. Voilà. Je vous ai donné quelques jours là. Je vous ai donné quelques jours de me foutre le camp. Je pense que vous prenez ça comme la faiblesse. Les gars, moi, des gens, ils ont la cinquantaine, ils sont sur Internet. Venez sur TikTok. Des vieux croulants comme ça, là, mon frère. Allez mourir. Allez vous suicider une fois. Parce que vous ne servez à rien. Des gens, l'autre là, il a abandonné les filles au café, ses filles au Cameroun. Quand on a les enfants au Cameroun, on ne se bat pour les ramener ici. Maintenant, tu peux aller, je ne sais pas. Tu vois comment la colère, c'est une non, mais je suis en colère, mais tu n'as même pas été. C'est ça, les gens comme ça, là, mon frère. Si les gens vous écoutent sur Internet, parce que vous êtes des clowns, en fait. Hein? Au pays, quand ils ont parlé dans la maison au pays, mon frère, regarde-moi des volets, vous avez la maison au pays. L'autre a acheté la maison, il est parti sans détail, acheter la maison en Belgique, ça veut l'associer. Oui, nous y voilà. L'autre est allé acheter la maison en Belgique. Ça, c'était un jour avant qu'il ne revienne, dit ah non, c'est pas moi qui ai acheté, c'est plutôt soi-disant mon compagnon. Voilà. La voiture aussi. Donc, tu dis tellement de choses. Dans tes dires, même un chat ou encore une chatte ne saurait pas retrouver ses chatons. Le vrai ragoût irlandais, pour ceux qui me suivent, hein, vous connaissez ce que c'est que le ragoût irlandais. Hein. Donc, voilà. Dexter, s'il te plaît, excusez-moi. Écoutez, je vais le calmer. Il entend les badauds. Attendez. C'est vous qui venez ramener ça ici, Eric. Moi, je ne venais pas de parler des gens là. C'est vous. Quelqu'un vous parle de ce que vous avez. Voilà. Pas de vous parce que je ne marche pas avec les gens. Il ne faut même pas me ramener dans des politiques ici là dans mes gens. Je ne sais même pas que tu avais un pays. Il est sale comme ça. On avait un mec avait demandé les calçons. Il en a mis du Cameroun. C'est comme un mougou. Non, mais c'est pas un vrai sur le commun. Eric a parlé. Laisse-toi. Regarde seulement en bas. Regarde seulement en bas. Même pas me calculer. Du Cameroun n'a pas de maison au Cameroun. Mais tu nous montres alors.
Il nous a montré des vlogs d'une véranda, une semi-véranda, hein, parce qu'on ne va pas dire que c'était une véranda, c'était une semi-véranda. C'était quelque chose qui devrait ressembler à une véranda plus tard. Mais le maçon était là, il faisait des choses comme ça, on ne sait pas ce qu'il faisait, mais c'est tout ce qu'on a vu. On n'a rien vu, on n'a pas vu, on n'a pas vu par exemple, toute la maison, comme Flo nous montre par exemple. Mais ce qui a attiré notre attention, c'est surtout ce grand champ dont même défricher, il n'a pas fait. Tu voyais un peu le truc. Et il parlait de sous-vêtements, des décors. Ben non, c'est clair que les décors, à voir comment il s'habille, c'est clair qu'il porte des sous-vêtements de moins de 30 euros la pièce. Bon, même moi, je ne porte pas des sous-vêtements de 30 euros la pièce, mais le décor est capable. Oui, bon, plus maintenant, hein, moi, mes sous-vêtements, ce n'est pas plus. C'est 2 euros. Hein. Et puis, il y a des sous-vêtements que je porte, je jette. Bon, oui, des sous-vêtements, par exemple, à 1 euro dans les marchés. Bon, ici, on en trouve à Bruxelles. Tu achètes peut-être une vingtaine, tu portes, tu jettes. Tu portes, tu jettes. Voilà, c'est très pratique aussi, hein, mais ce n'est pas bien pour la nature, donc il ne faut pas le faire. Bon, je ne le fais plus. Hein, ne pensez pas que je le fais encore. C'était à une époque, quand j'étais un peu gaga, quand j'étais plus jeune. Bon, maintenant, je prends la peine. Hein. Oui, son esprit est vraiment bas. C'est que votre bande là, tous les temps, toutes les vieilles femmes qui vous suivent là, vous comprenez, hein? Les Moula, vieilles tourne-toi. connasses qui vous suivent. Parce que quelqu'un me prononce encore dans vos bêtises là. Moula, c'est pour Tout le rire, temps, des trucs hein. comme ça. Moula n'est pas vieille. Moula a mon âge. Donc Moula a la cinquantaine comme moi. Donc, c'est pour rigoler. Bon, quand elle parle des vieilles femmes, on ne sait pas de qui se fait allusion. Bon, le point, c'est que lui, il pense qu'il est trop jeune, en fait. Il pense qu'il est trop jeune. Et voilà que Toby a fait le challenge, Bangala. Bon, et le challenge est lancé aussi pour Anangoa, parce que Toby a lancé le challenge Bangala qui danse comme ça. Vous voyez le Bangala de Toby, comment il dansait. Il a lancé le challenge à Ducamer, à Anango. Et moi, j'ai déjà relevé ce challenge-là. Donc, moi, je ne suis pas dans ce challenge-là. Parce que le challenge Bangala, là, que Anango, pardon de l'expression, hein, ce challenge-là a été lancé par Monica Diaz un an plus tôt. Et j'ai relevé ce challenge. Monica, elle m'a confirmé que j'avais quelque chose. En tout cas, je ne me plains pas. Donc, je ne suis pas dans la gnognotte. Donc maintenant, du Camino. Le challenge est lancé comme Toby. Tu vas danser aussi comme ça, comme Toby de Berlin. Et Anango aussi est invitée à ce challenge. Oui, parce que les hommes comme ça, un homme qui attaque forcément une femme, c'est parce que beaucoup de femmes l'ont souvent insulté. Non, beaucoup de femmes, oui, l'ont souvent insulté. Donc, c'est pas pour rien. Quand vous voyez la violence que Ducamer, regardez comment il a fait avec Orisha. Il n'a pas hésité à dire que c'est Orisha et il a campé. Dès que tu ne bouges pas, tu restes là. Donc, il a une haine viscérale contre les femmes parce que il a souvent entendu les femmes l'insulter qui étaient mal montées. Les personnes mal montées sont méchantes en fait. Les hommes mal montés sont pas insultés facilement de la femme. Moi, par exemple, je vous assure que je vois pas comment on peut faire pour détester une femme. Parce que pour moi, une femme, c'est un bijou. On ne peut pas la détester. On peut que bouder, la bouder, mais après, ça s'arrête là. Mais la détester à fond comme ça, je ne vois pas comment. Et je vous assure que même ce que je faisais avec le Lofoliala, c'était des histoires dormies debout. C'était vraiment. Et d'ailleurs, ce n'était même pas la bonne solution. Vous voyez que j'ai beaucoup perdu sur Bertrand, justement, à force de faire comme les autres. Il y a des profils que les gens ne supportent pas voir clasher. Moi, par exemple, quand j'ai commencé à faire ça à Loulou ou encore à d'autres personnes, les gens m'ont dit, bah, tiens, personne pour sauver l'autre. Ce bonhomme qu'on pensait qu'il était au moins quelqu'un d'agréable à écouter et à regarder, à faire, enfin, à regarder, c'est péjoratif, hein, c'est au choix, pardon, le mot agréable. Quand il insulte, ça ne plaît pas. Donc, j'ai compris ça, vous voyez. Donc, on n'est pas forcé de clasher quelqu'un. Parfois, on doit apprendre à communiquer sans insulter. Et les hommes qui le font, qui insultent la gente féminine avec autant de facilité, ont sans doute reçu trop de feedback négatif de la même gente féminine. Oui, parce que du Camino, il sait qu'il ne sert à rien.
parce que c'est quand même une femme, on ne peut pas l'apprécier. Parce que, bon, déjà, il est court, il est petite taille, et puis il a un petit zizi, hein, bon, d'ailleurs, Kikinet, c'est ce qu'on dit, c'est pas moi qui le dis. Donc, tout ça, ça, c'est qu'il déteste les femmes. Donc, sinon, relève le challenge, comme Toby de Berlin a lancé. Anango aussi, hein, coucou Anango, toi aussi. Voilà, écoutons. Il est sur Internet. Il n'a même pas de quoi se prendre un petit budget qui est pas. Tu as envie de parler, mon frère. Tu es en prison, tu as pris les têtes. Ça te fait le coup. Kona gagne déjà 1000 euros. Gagne même 500 euros sur Facebook avant de venir parler. Espèce de minable que tu sois. Ouais, tu t'amènes à ta bouche là. Tu es un putain de souffriteur. Je ne suis pas ici pour blaguer. Kona que tu sois. Donc fais tes directs là. Tu vas encore du camion là-bas. Depuis que tu es allé au Cameroun, tu as envoyé 5 francs à ta maman. T'en veux quand même parler de ma mère. Même, si tu abandonnes ta mère au Cameroun, tu l'envoies, tu viens être généreux sur Internet. Il dit que j'ai abandonné ma mère au Cameroun. Vous entendez ça? Et du Camindo, ma mère est très belle. Elle est même stylée. Ma mère a même des perruques qu'on ne trouve pas ici. Des perruques qu'on trouve qu'en Afrique. Par exemple, tressée. Ma mère est Nyanga. Et dès l'année prochaine, mon fils ne sera plus officiellement dans cette maison. Et je pourrais inviter ma mère ici. Pour l'instant, ça bloque parce que on s'entend qu'il n'y a pas de place. Parce qu'on s'entend que mon fils occupe la chambre. Voilà, je suis forcé de te dire. Mais ma mère n'a pas de problème. Je comprends. Et comme je t'ai dit, j'ai construit une maison de 40 000 euros à ma mère. Et ce n'était pas un crédit. D'argent que j'avais économisé de 2010 à 2013. Voilà, donc je suis un enfant digne. C'est pourquoi ma mère, même quand ma mère de toute façon, elle me protège chaque jour parce qu'elle sait que je suis important pour elle. Tu parles de ma mère, hein? Tu parles de ma mère, franchement? Tu n'as pas honte de parler d'une dame que tu ne connais pas. Hein? Donc, c'est une manie chez toi de parler de la mère des gens. Je ne te comprends pas. Pourquoi tu veux toujours aller loin dans l'horreur comme ça? Pourquoi tu parles de ma mère à moi? La tienne, elle vivait où déjà? Elle vivait où la tienne? À Maningolé, c'est ça? C'est où d'abord Maningolé? À Manjo. Waouh! Bon, ces garçons nés en région, mon Dieu, ces enfants de la région. S'il vous plaît, à ta mère qui est au Cameroun, qui est dans la galère, là, tu l'as envoyé quoi depuis? La générosité des réseaux sociaux. Tu penses que l'un gars de Facebook, l'un gars des réseaux sociaux, c'est un gars? Tu veux être généreux sur Internet, j'ai envoyé 100 euros, j'ai envoyé 200 euros. Ta mère au Cameroun va lui donner l'argent du fond de ton respect. Donc, comme j'ai dit que vous clashez là, ça vous donne le droit de parler de moi n'importe comment. Je suis un français. Et puis, je pique vous directement. Et puis, je vous cogne la tête avec je ne sais pas quoi là. Et donc, les gens, ils sont sur Internet. Jamais vu sortir aller quelque part où il y a des gens. Mais la force, c'est venir babader sur Facebook. Je n'ai pas besoin de prendre quelqu'un pour vous insulter. Hein. Si je ne fais pas le renfort, prends les gens sur le panel. Je vous insulte votre race, une place. J'ai dit à Eureka, qui ne se mêle pas. Des minables comme ça. L'autre a faim. C'est pas un pâtissier, tu n'as jamais vu bien manger. Il est là, il est comme un Éthiopien. Ça vient, ça parle. Il y a beaucoup de pays. Et je vais t'expliquer. Il y a des toits. Et je vais t'expliquer pourquoi je suis comme un Éthiopien. D'accord? Écoute-moi très bien. Je suis comme un Éthiopien parce que j'essaie de mourir. Bientôt 50 ans, pas de cholestérol, pas de graisse en plus, juste du muscle bien ferme. Et à 50 ans, j'ai l'impression d'être ton grand frère n'est pas trop loin. Tu fais trop vieux en fait. Hein. Même ton look. Regarde par exemple, regarde comment tu es habillé, tu portes des histoires. T'es pas à la mode en fait. T'es pas à la mode. T'es à la traîne. Regarde par exemple, je porte un col levé. Tu vois? T'as vu, ça c'est un col levé. Je te montre. T'as vu le col levé? Tu vois? Et là, je porte, regarde,
c'est un téléphone. Est-ce que tu vois ça? Voilà, regarde. Tu vois, pas de téléphone. Et puis, les tennis, la graisse. Voilà, ma graisse. Non, il ne voit rien. Voilà. Bon, on va faire tout ça. Pardon, hein, je tombe si bas. C'est pour montrer au petit nain quand en fait il a la traîne. Tu vois. Et en passant, la voiture, c'est une Moka. Tu vois un peu. Donc, les nouvelles versions de voiture aussi. Donc, on va dire que toi, tu as la traîne. Tu me parles à moi. Tu appelles qui le bouffon? On a de moi et toi. Qui c'est qui le bouffon? Non, dis-moi. Tu n'as pas de goût. Tu n'as aucun style vestimentaire. Voilà tes cheveux, regarde. J'ai une coupe bien, là, t'as vu. Je peux me fondre. Mais de toute façon, si on est en Amérique, on ne saura pas. D'ailleurs, on ne sait jamais d'où je viens. On me demande toujours en Belgique, c'était quelle origine. Parce qu'on veut bien, on veut toujours savoir mon origine. Et quand je dis ben, d'origine camerounaise, on me dit, ah d'accord, voyez un peu. Parce que je peux être de n'importe où. Parce qu'on a cette morphologie-là. Même parce que d'ailleurs, il a cette morphologie-là. En Amérique, il dit qu'il est noir-américain, on dit oui. Moi, en Amérique, je peux me faire passer pour un point jamaïcain parce qu'on a une morphologie qui passe partout. Mais toi, avec une tête ronde comme ça, comme un potiron. Je ne veux pas parler comme ma générale, hein, parce qu'il se peut qu'il y a des mamans qui ont crac-crac avec les bonobos. Les guénons, je ne sais pas où. Apparemment, il y a des mamans qui ont crac-crac avec des bonobos ou encore des guénons. J'espère que... Est-ce que ta reine a fait un peu ça pour que tu aies une tête un peu comme ça, comme pour un singe hurleur? Regardez un peu la bouche. Les singes hurleurs, là, est-ce qu'elle n'a pas la bouche comme un singe hurleur, mes gens? Est-ce que ce garçon n'a pas la bouche d'un singe hurleur? Pour ceux qui ne connaissent pas les singes hurleurs, c'est des singes vraiment qui passent leur journée à hurler. Donc, ils hurlent tellement, ils hurlent que la bouche reste toujours ouverte. Parce que tellement ils hurlent. Donc, du Camino, est-ce que ta reine a crac-crac avec un singe hurleur? On va dans l'horreur. Mais en tout cas, je ne vais pas aller descendre dans la boue avec toi. Je ne veux pas salir la dépouille de ta mère ou encore l'esprit de ta mère qui repose en paix d'ailleurs. Voilà. Donc, c'est toi qui as parlé de ma mère et je ne vais pas m'hasarder à faire ça comme toi. Donc, je préfère arrêter ça là et ne plus parler de ta mère. Mais je parle de toi. Tu as la tête comme un singe hurleur. Oui. Oui, tu ressembles vraiment à ce singe-là. En fait, tu es laid. Et en plus, tu marches comme ça. Ah, voilà. Ah, les enfants, arrêtez, hein. Tout le monde d'ailleurs. La vie est grande. Zéro style. J'ai dit zéro style. Tu as la traîne. Donc viens, comme tu as bossé, je vais sortir, on va se voir. Tu vas me repérer avec ma Moka. Tu vas me remarquer. Tu vas voir le look. Tu comprends? Donc je t'attends. Donc viens me voir avec tes yeux. Et même, comme tu dis que je suis double estime là, tu crois même que je suis double estime. Tu vas un peu là. Je fais quoi? Tu as vu ton look? Tu as vu à quoi tu ressembles? En fait, tu es laid. Hein? Ah, bouffon que tu sois. Hein, tu appelles qui bouffon? Te voilà, c'est toi le bouffon. C'est toi le bouffon. Tu vis après un homme dans la maison. Nickel, oui. Comment? Oui, je vis avec un homme. Voilà, donc, je ne même pas. On est venu me provoquer. Je ne suis plus de vous là. Bande de Nina. Du Ghana, elle est plus président. Les gens qui jamais été plébiscité pour être président, c'est les blogueurs qui avaient été. Ils savent que je suis un homme de paix, que je suis quelqu'un qui défend tout le monde.
Tu ne peux pas être quelqu'un qui mène chez les gens le matin, il y a des présidents. Tu es président des abeilles de Fleur de Lille. Tu sais, ton rêve, c'est de coucher avec elle. Ok. Elle va venir t'amener. Mon rêve, c'est de coucher avec Fleur. Écoutez les choses. Et bon, j'aime les hommes à tel moment alors du Camino. Il faut savoir ce que tu me reproches exactement. Je suis plus chelé. Je rêve de coucher avec Fleur. Waouh, Seigneur. On peut être. Oui, là, tu vas insulter les gens pour elle, mais elle ne va même pas te calculer. Connard. Un chob nanga. Voilà. Non, mais là, il est un chob nanga, 50 ans. Il est barge comme ça sur la femme. Tu ne peux pas payer une bordel. Tu peux pas payer une bordel. Va en Allemagne, il y a les bordels 50 euros qui sont plus belles que les parités qu'il y a sur Facebook. D'accord, continue. C'est pas comment un homme peut venir fantasmer sur un gars sur les réseaux. Si tu peux prendre une bordel là, tu donnes 50, elle est mot. Elle est plus mot que les bêtises. C'est là. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Tu vas venir mourir sur les femmes de Facebook là, mon frère. Tu vas jamais coucher avec elle. Hein? Va me donner tes 50 euros là. Tu prends une bonne allemande, tu prends une bonne blonde. Tu tapes un coup, tu as même deux coups de 100 euros. Toutes les filles qui sont sur Facebook où tu viens payer l'amitié là, tu vas jamais voir leur grosse prix. Donc, vous dites que vous croyez que ce n'est pas vous répondre là, c'est manquer d'argument. Je n'ai pas envie de perdre mon temps avec vous. Mais quelqu'un vient me parler de vous, je vous insulte. Vous êtes minable. Je continue d'attendre la femme qui va sortir avec une saleté comme des trans. Hein? Un petit peu là, il est là avec la bouche, on dit la bouche avec la barbe. Oh là. Mais dis donc, je n'avais pas entendu tout ça. Vous savez qu'on a décrété un petit bout et on a continué tout à l'heure. Et bon, quand on décrit au volant, il y a la circulation, je suis plus attentif. Donc, j'entends, je laisse plus couler quand je décris au volant. Mais là, tu veux voir qui sortira avec moi? Waouh! Attends, attends un instant. Oh là là. Comme ça, tu veux voir qui veut sortir avec moi du Camino. Tu veux voir qui veut sortir avec moi. Tu sais qu'en fait, ça, si beaucoup de filles voudraient sortir avec moi juste parce que elles veulent le Kaolo. Le Kaolo que tu n'as pas. Donc, tu es nul. Même ça, même l'aventure, même ça. Le papier que tu devais avoir pour aller pour clôturer ton... En fait, tu es toujours en aventure. Tant que tu n'as pas ton passeport européen entre les mains, ça veut dire que ton aventure continue. Donc, tu es en aventure depuis 2000, combien déjà? Depuis 2002. Hein. Ça continue, hein? C'est ça? Tu parlais de karma l'autre jour. Ça continue parce que tu es en train d'aggraver ton cas au fur et à mesure. Tu demandes, tu veux voir quelle femme... Je peux m'épouser beaucoup de femmes. Non seulement j'ai mon kaolo, j'ai mon travail, j'ai ma maison, j'ai tout ce qu'il faut, tout ce qu'on veut en fait. Mais sauf que je ne peux plus. Allez, fais un enfant maintenant, c'est trop tard pour moi donc. Sauf celles qui voudraient vivre avec moi sans faire d'enfant, évidemment. Voilà. Tu vois que j'ai même le choix. D'accord? Toi, tu vends avec les enfants. Puisque oh, les enfants, c'est une fortune. Donc, tu as encore la crainte pour toi. Faire des enfants, c'est quelque chose de... Allez, c'est une richesse, oui, comme à l'époque. Non, pour moi, non. Il faut d'abord que ton horloge biologique se mette en route pour que tu fasses ton enfant. On ne fait pas ses enfants pour faire plaisir à quelqu'un. C'est en fonction de son horloge biologique. Bon, peut-être que je vais encore être frappé par une horloge. Hein. Les hommes peuvent avoir une horloge même plus tard. Hein. Je ne sais pas, on n'en sait jamais. Donc, tu vois qu'on n'est pas pareil, mon gars. Toi, tu es du village. Moi, je suis de la ville. Tu es né à Manengolet, au village. Ta mère t'abonne sur le pain et à la maison. Et moi, je suis né à l'hôpital sur une serviette où c'était brodé mon nom, mon prénom, Bertrand.
et c'est encore chez ma mère. Mes brassières sont encore chez ma mère, dans une malle verte. Voilà. Tu parles à qui même? Tu as tout traité de bouffon. Tu es né à la maison, mon gars. Tu es bonne à la maison. C'est pourquoi tu es comme ça. Tu es comme tu es un mec du village. Regarde ta trompe. On dirait qui fait un chien ou qui embrasse ton chien. Oui. Tu vois qu'une femme elle peut prendre sa bouche et mettre sur ta bouche là. Putain de bordel. Les femmes, elles vont t'encourager les clasher. Quelle femme peut plus sortir avec toi? Tu baises qui? Ça part. Hey, papa. Du canard, du canard. Et c'est là mon fils là. Et c'est là mon fils mardi. Je vais demander à mon fils de venir vous insulter copieusement. Voilà, c'est voilà. Mon fils qui va vous répondre. Voilà, voilà. Voilà. Tu vois, un petit peu là, il a la bouche comme un vendeur de il est là comme ça. Tu travailles pour ressembler à ça. Pourquoi aucune de tes, aucune abonnée, les filles qui t'envoient les insultes là, elles ne baissent pas. Moi, j'ai, tu sais le nombre de filles qu'il y a Thomas ici là sur Facebook. Tu as Thomas qui? Hein? Tu sais le nombre de tes filles qui me regardent après que j'ai enlevé les caleçons. Tu es là comme un clown, mon frère. Comme un clown. Et mon ami, il faut faire le R plus 2 au Cameroun avant de venir me parler. Il faut faire le R plus 2. Tu fais au moins la fondation. Ça pack. Ah, tu es encore à ce stade hein? Tu es encore au stade de la fondation. Ouais, dis donc. Ok. Tu fais ça comme ça là, mon frère. Pas des gens comme ça. Tu viens manquer, tu viens tuer. Vous venez insulter les gens. On insulte n'importe qui. Nous sommes des soldats. Nous. Dans ce groupe, nous avons énormément conseillé les gens sur Internet. Les histoires de cyberharcèlement que les gens font, à un moment, franchement, voilà, c'est Janango. Pareil. Les gens qui se lèvent, ils dorment, ils se lèvent, qu'ils doivent attaquer. Et toi, tu fais pareil. Et toi, tu fais pareil. Tu fais la même chose que Serge Janango. Tu es pire que Serge. D'accord? Serge, au moins, il diffuse des vraies informations. Serge n'a pas dénigré tout ce que Serge a posté. La négligence, l'anesthésie, c'est déjà parti. Tout ce que Serge a posté, c'est des informations réelles sur Marlène. Serge n'invente pas, Serge ne poste pas. Par exemple, du Camendo, je vais vous montrer un homme qui est supposé être la personne qui vit avec moi. Hein. Attendez. Vous voyez, il a posté du Camendo qui est mauvais. Hein. Toi, je ne sais même pas si c'est la déception ou c'est... Bon, j'espère qu'il n'a pas enlevé entre-temps, hein, parce que je vais vous montrer la photo. De l'homme qui est supposé être mon compagnon. Voilà. On ne sait même pas qui c'est. Hein. Voilà. Mais ce qu'on voit déjà, c'est... Bon, on peut imaginer que c'est quelqu'un qui a les cheveux crépus, dont un noir. Donc, je vis ici avec mon compagnon noir, que vous voyez sur la photo là. Voilà, c'est vraiment du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Du Camindo. Tu vois un peu? Donc, Anango n'est pas comme ça. Anango ne va jamais poster une photo d'une personne prétendant que c'est Monsieur Joly. Non. Mais il va poster la photo de Monsieur Joly. Toutes les informations qu'Anango poste sur sa page, ce sont des informations réelles. Il n'a pas inventé, mais toi, tu inventes. Ça veut dire que toi, tu es un colporteur, un menteur, un, je sais pas, un manipuleur repoussant. Oui. Te voilà, c'est toi ça. Tu dis que des comme Amogou est un papa indigne. Alors que toi, tu es un papa indigne. Tu viens de nous dire que tu vas faire venir ton fils pour nous insulter. Hein? Tu viens de dire ça. On l'a cru, j'ai entendu. Alors, qui est indigne dans cette histoire? Qui est un papa malade, en fait? Donc, en ce qui te concerne, l'hôpital Jameau est petit pour toi. Oui, je crois que l'hôpital Jameau est petit. Tu oses parler de ma mère? Hein? Tu parles de ma mère? Tu parles de ma mère à moi? Une femme qui m'a bonne en 74 dans un hôpital, alors que toi, tu es né à la maison. Tu es un panne. Tu es désolé. C'est toi qui parles de la mère des gens. Voilà. De toute façon, je ne voulais pas. Bon, je ne voulais pas
décrypter ça comme ça, mais j'ai pas eu le choix, hein, parce que je n'avais pas écouté tout ça. C'est vraiment du même. Je n'avais pas écouté tout ça. Hein. Moi, j'écoute ça seulement maintenant aussi. Vous voyez, les gars, un flemmard comme ça, Dion. Tu vaux pas Sto, tu ne vaux pas. Et je l'ai dit que où Sto habite là, c'est un immeuble et ça appartient à sa famille. Sa Rémé, qui a sa Rémé? Alors, qui verrait sa Rémé dans le même immeuble? Qui verrait sa Rémé dans le même immeuble en Europe? Regardez comment Flore verrait sa mère et ça fait des bruits. Vous oubliez aussi que Décom en vous vient un peu ça aussi. Sauf que la mère de Décom est active. Elle a sa maison, donc c'est une maman bengétaire. Donc tu parles de quoi? Mais tu comprends même. Même Flore a reconnu que sa mère était une conteneur au final. Hein? Tu oses parler de Décom en vous. Il te dépasse. Hein? Co-analphabète. Tu crois que sa formation, il a obtenu ça comment? Il écrit très bien le Kangou, il ne fait pas de faute. Il écrit très bien la langue. Il maîtrise le français. Hein? Il maîtrise le français. Des Kangou, quand il s'exprime, sa façon de s'exprimer, c'est son concept. Et il finit par placer ses mots. Et sans faute. Et tu le traites d'analphabète. Il n'est pas analphabète. Parce qu'il écrit le français. Il lit le français. Toujours en train de dénigrer les gens. Tu demandes ce qui peut intéresser une fille chez moi, oui, mon passeport belge. T'as vu? Je peux, une gars peut me épouser tout ça. Tu comprends? Donc tu es encore en aventure, mon gars. Calme-toi et finis ton aventure. Tant que tu n'as pas le passeport, sache que tu es toujours comme si tu étais en Espagne, en Algérie, en train de faire l'aventure. Parce qu'une carte de séjour, encore, après 20 ans d'aventure, c'est l'échec. C'est considéré comme l'échec. Moi, j'ai eu mon passeport en 2010. Et dès lors, j'ai dit merci Seigneur. Et depuis lors, je suis devenu généreux. Je remercie Dieu chaque jour. Je n'ai plus commis de bêtises. Je suis pris, comme on dit. Voilà. Et par la suite, j'ai entrepris, j'ai sorti ma mère de là où elle était. Bon, j'ai refait sa maison. Cette période-là aussi, tac, 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 tac. Et j'ai pensé à moi qu'en 2019, cette maison, j'ai eu le crédit en 2019. Vous voyez? Donc, 5 ans après avoir logé ma mère. Donc, je suis un bon garçon. Et toi, tu es là, tu me parles de ma mère. C'est comme ça que vous attaquez les gens pour rien. Vous entrez dans la famille des gens. Moi, je n'ai jamais fait allusion à ta mère. Tu dis que je n'envoie pas l'argent à ma mère. Tu veux savoir si j'envoie à ma mère? Hein? D'ailleurs, moi, je n'envoie pas. Je fais des virements parce que ma mère a un compte bancaire. Si je t'apporte un peu le détail. Ma mère a un compte bancaire à EcoBank. Voilà, donc, arrêtez de parler de la famille des gens. D'accord? Voilà. Ah, regardez. Une vidéo de Niat. Ouais. On va un peu écouter ça pour finir. Hein. On va changer un peu de concept. Écoutons ça. Bon, c'est l'autre là, Kamoa. Pas Sabo. Les prétends ont un think tank, les Marseillais ont un think tank. C'est ça qu'il faut opposer, mon jeune frère Roberto Ndango. Ce n'est pas la guerre. Tout à l'heure, j'étais énervé contre toi parce que j'en pouvais plus. Mais moi, je peux te dire aujourd'hui, je viens au bon sentiment. Quand bon, vous savez pourquoi je parle de ça? Parce que c'est important. Oui, parce que les gens disent que je suis tribaliste. Ouais, un peu. C'est important que je dise que moi, je n'adhère pas aux agissements de Roberto Ngannou. Roberto Ngannou parle pour lui. Il ne parle pas au nom de quelqu'un. Donc, le direct de Kamoa la Panthère m'a beaucoup plu. Pourquoi? Parce que c'était comme s'il rappelait. Bon, il fallait, c'était important qu'il sorte aussi comme ça, rappeler Roberto Ngannou à l'ordre. Même s'il sort que seulement maintenant. Oui, parce qu'en fait, il sort parce que Roberto Ngannou aurait dit que lui, il aurait versé 40 000 euros pour booster le Bami Power.
Bon, et il a considéré ça comme une insulte. Mais ce qu'il a dit, ce qui a marqué, ce qui a attiré mon attention, c'est que l'idée du Bami Pawa, c'est un état d'esprit. C'est cet état d'esprit-là. En fait, si vous entrez dans notre histoire, cet état d'esprit, en fait, est entré dès lors qu'on se bat avec les Français. Ça n'a rien à voir avec les autres ethnies. Non, c'est parce que les Français nous ont longtemps combattu. Les Français nous ont combattu de 51 jusqu'à l'indépendance. 59, la veille de l'indépendance. Donc l'idée du Bami Pawa, c'est aussi à cette époque-là que ça a été ancré. Donc c'était d'abord pour... Parce que les Français dénigraient les Dominicains, justement, pour les affaiblir. Et donc c'était un état d'esprit, en fait. Donc il ne faut pas confondre les choses. Bon, moi, je ne suis pas à l'aise quand je parle des ethnies des gens. Mais ce que je voudrais dire, c'est que Robert Onganou parle en son nom. Donc je n'adhère pas aux ajustements de Robert Onganou. Pourquoi? Parce que il ne peut pas dire que parler du Bami Pawa, quoi que Bami Pawa, c'est un groupe un peu comme le Ku Klux Klan, ou encore comme des personnes. Non, non, c'est un état d'esprit. D'ailleurs, écoutons. Tu m'as appelé des dizaines de fois pour pleurer dans mes oreilles. Moi, quand moi. Solo. J'ai dit, va déposer plainte contre Solo. Moi, je te l'ai dit. Je te l'ai dit. Il ne faut pas que tu fasses un live derrière pour manipuler. Je le dis ici devant tout le monde. J'ai dit, Robert, on va te déposer. Quand tu ne dors plus, tu dis que tu vas au sport, tu vois Solo. Tu te lèves, tu vois Solo. J'ai dit, va déposer plainte. Comme ça, le jour même qu'on t'agresse, on va mettre ça sur Solo. Est-ce que Solo t'a encore calculé? Est-ce que Solo te répond? Solo, c'est mon petit frère. C'est mon petit frère. Solo, c'est mon petit frère. Il a 37 ans. 37, 36, comment? Et on arrive en octobre. Bah, mettez les cœurs pour... Tu as vu, comme les whites. Pour le copain de Marfo. 36 ans en octobre, il aura 37 ans. Voilà. Le copain de Marfo. C'est mon petit frère. Donc, malgré tout ce que vous pouvez faire, je ne suis pas d'accord quand c'est faux. Quand c'est vrai, je dis... Quand tu m'as dit que son otage, tu fais, ça t'a traumatisé, c'est qu'il va déposer plainte puisque tu ne dors plus. Et Solo, au courant, je l'ai dit, à Solo, comment tu peux taper Roberto quand on a une soirée? Il m'a dit que non, la panthère, mais... Voilà, donc, ce bonhomme, c'est qu'on le tape parce qu'on n'est pas d'accord de cet ajustement. Parce qu'il ne peut pas lui parler du Bami Pawa. Et comme j'ai dit, Bami Pawa, c'est un état d'esprit. Ça n'a rien à voir avec ce que vous imaginez. Et Roberto Onganou nous dit qu'il est le président. On peut pas, il n'y a pas de président parce que c'est un état d'esprit. C'est comme une façon de penser, tout simplement. Et comme je l'ai dit, ça s'est développé. Ma grand-mère m'a raconté cette histoire. Je vous assure que ma tante, Tata Odette, elle est née en brousse. Hein? Ah ben oui. Donc je disais tantôt que le Cameroun est né sur un panne. Mais sauf que j'avais oublié de vous dire que ma tante est née en brousse presque... caché, quoi, comme le font les animaux. Parce que le village était menacé, le village était brûlé. Donc, ils vivaient en brousse parce qu'elles étaient combattues par l'armée française. Donc, c'est tout ça, en fait. Donc, le Bami Pawa, c'est cet esprit-là de résistance à ces Européens-là. Ça n'a rien à voir. Et ça se développe plus tard. Hein. Donc, c'est un état d'esprit, en fait. C'est un état d'esprit d'abord. Oui, parce qu'après, il y a eu un dénigrement. Hein. Le dénigrement que les Dominicains ont subi, ce n'est pas les Douala ou encore les Sawa ou les Tons qui orchestraient ça. Non, c'était les Occidentaux eux-mêmes. Hein. C'était les Français eux-mêmes. Donc, dès lors, ils ont changé le nom des appellations. Donc, on est passé de Graphie à Bamileke, Ba comme terre. Voilà, Ba. Si vous regardez bien, les dissidents, toutes les régions dissidentes, ils ont changé en mettant les ba. Voilà, donc on comprend vite que les Bamileke et les Basta étaient en disgrâce parce qu'ils se battaient ensemble. Et ils sont longtemps restés en disgrâce jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous voyez les Basta dans vos histoires du gouvernement? Non. Bon, peut-être un peu. Est-ce que vous voyez les Bamileke dans vos histoires du gouvernement? Non. Voilà. Parce que c'est depuis des années que c'est comme ça, depuis même la création. Avant la création du Cameroun, c'était déjà comme ça. Donc, ce n'est pas nouveau. Voilà, donc on était en disgrâce dès lors. Donc, en fait, le Bami Pawa, c'est d'abord une résistance à cet esprit de dénigrement que ce serait pas les occupants d'autrefois. Bon, je ne fais pas de politique, mais je suis juste en train de dire que arrêtez de dire que je suis tribaliste. Je suis cosmopolitain et je réclame mon côté cosmopolitain. D'ailleurs, je ne peux pas être autre chose qu'un cosmopolitain, je vous assure. Mais comment est-ce que vous me voyez tribaliste? Non, jamais. Et puis, ça me donne la chair de poule même.
L'idée d'être quelqu'un qui avait les bandounets, je ne me sentirais pas en sécurité. C'est vrai. D'accord? Oui, parce qu'il me connaît trop. D'accord? Donc, quand c'est cosmopolitain comme ça, il y a tout le monde. Du coup, j'ai beaucoup d'opportunités. Et je sais vraiment où m'orienter. Voilà. Écoutons, ce n'est pas long. Hein, souffrant d'écouter ça, s'il vous plaît. Écoutons, parce que c'est très important ce qu'il dit. Hein, Camois la Panthère. Je n'ai pas tapé. J'ai seulement soufflé. Et quand quelqu'un dit souffler, moi je comprends. Donc, il a seulement soufflé comme ça, le gars est tombé. Il a seulement dit, il a dit, à crier, à prier. Et que non, enfin, il ne souffle plus. Ça ne pas vous là. C'est ton billet. Il y a quelqu'un qui voit les têtes de moi. Roberto, quand on paye 40, Roberto, entre nous, on sait que tu as 45 ans. Mais c'est ton billet. Voilà, donc Roberto Nganou a été tabassé par un jeune bonhomme solo, 37 ans, parce qu'il prône des, il tient des propos tribalistes. Donc, c'est une façon de se désolidariser. D'accord? C'est aussi une façon de se désolidariser. Voilà. Et c'est important, parce que regardez qu'à moi, hein, il ne rit pas. Mais petit grandi, tu as 45 ans, non, Roberto. Tu as 45 ans, tu es dans 78, non? Donc voilà, on se connaît. Donc il faut calmer ça. Il faut calmer ça. Moi, je te dis, l'année prochaine, vois Solo, comme je t'ai appelé, la capitaine Jeanne Raissa t'a appelé. Elle m'a mis en conférence. On a appelé avec Mewé, la star internationale. Mewé m'a appelé. Il me dit, appelle ton jeune frère Roberto. Je veux faire la paix. Je suis en train de faire votre promotion, la promotion de votre culture. Mewé, c'est rabaisse. Moi, petit comme moi, le petit comme moi. Mais ouais, ma paix, j'étais surpris. Il me dit, mon jeune frère, mais ouais, ma paix. Mais ouais, la star interplanétaire. Il me dit, je veux faire la paix. Parle avec le petit frère, Roberto Gangoum. Il faut qu'on fasse l'union. Je veux la paix. Nous, ici en Côte d'Ivoire, on a eu des problèmes. Nous, les artistes, on s'est mêlés. Les politiques ont compris. Pardon, parle à Roberto. Mais ouais, ma paix. Voilà, excusez-moi, hein. Excusez-moi, on ne parle pas de la basse, on ne parle de rien. C'est juste que les gens disent que je suis tribaliste. Et je dis non, je refuse qu'on me traite de tribaliste. Et je voudrais aussi dire que Roberto Nganou, je n'ai jamais commenté sur sa page. Je ne suis jamais allé. D'ailleurs, il ne m'intéresse pas. Parce que l'idée qu'on déteste les gens parce qu'ils n'appartiennent pas à la même origine, hein, par exemple, que vous. C'est choquant rien que l'idée d'entendre ça. Pour une personne qui se veut cosmopolite, comme moi par exemple. Donc c'est pourquoi Roberto Nganou, je n'ai jamais eu même l'intérêt d'aller écouter ce qu'il dit. Mais ce que je ne comprenais pas, c'était qu'il y avait une fille là-bas qui s'appelait Roxane. Apparemment bien instruite, mais je me attendais, qu'est-ce qu'elle fait là, cette fille? D'ailleurs, Camois la Panthère fait allusion à cette fille, parce que cette fille s'est désolidarisée aussi, parce qu'elle estimait, elle a estimé que Roberto Nganou aller trop loin dans l'horreur. Il ne peut pas parler au nom des Bamiléqués. Non, non, jamais. Tu ne peux pas venir sur la toile prôner le Bami Power parce que tu écoutes ça comme tu veux écouter. Donc, ta façon de parler du Bami Power, c'est pour choquer nos frères et sœurs qui sont d'autres ethnies. Et je crois que le Bami Power n'a jamais été dans ce but-là. Bon, d'ailleurs, je me suis un peu intéressé à ça parce que Camois a donc parlé et ce n'est pas la première fois que j'entendais parler de cet esprit-là. Le Bami Power, encore cet esprit-là de résistance, en fait. Voilà. Donc, Roberto Nganou confond tout. Il confond tout. Et nous, moi, en tant que Bamiléké, je ne supporte pas ce qu'il fait. Je ne supporte pas ses agissements. D'ailleurs, je condamne ça fermement. D'ailleurs, la preuve, je ne suis même jamais allé là-bas. Jamais de la vie. Je dis bien, jamais de la vie. Mais chez la veuve, je vais chez la veuve. Parce que la veuve, on ne peut pas dire que la veuve est tribaliste. Non. La maudite, on ne peut pas dire qu'elle est tribaliste. Peut-être elle est comme elle l'est, mais parfois, elle est sur le BMDP. Ça s'arrête là. Mais ce n'est pas le même discours sur la durée comme Roberto Nganou. En fait, Roberto Nganou, son concept, c'est ça. Et c'est un concept qui donne la chair de poule. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Hein. Vous savez, les directs trop longs, je n'aime pas. Mais je pourrais revenir plus tard. Pour d'autres décryptages et pour d'autres événements, hein, pour d'autres précisions par rapport à notre présidence. D'ailleurs, Nice Anita
va nous aider. Hein. Donc, il est question qu'on revise la charte déjà. Hein. Et la démarche qu'on est en train d'entreprendre, Angie 4 et moi, auprès, n'est-ce pas, du chargé des affaires culturelles de l'ambassade du Cameroun à Paris et à Bruxelles. Voilà, on aura d'ici peu un feedback de tout ça. Mais c'est clair et net que je me désengage. Ou encore que je n'adhère pas aux propos de Robert Ngannou. D'ailleurs, quand moi la panthère aussi. D'ailleurs, Ngannou a été malaxé, molesté, giflé. D'ailleurs, on l'a soufflé comme ça. Un jeune homme de 37 ans l'a soufflé parce qu'il en avait marre. Il bassine tout le monde avec ses propos tribaux. Sur ce, à très bientôt. Bye bye.